Alors, bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai reculé un petit peu le chat ce soir. Le live, l'arrosage est terminé. Donc voilà, on va démarrer notre nouveau live du jour. Aujourd'hui, je vous ai annoncé donc le contrôle d'une marcotte qui est juste derrière moi et la transformation d'un cerisier. J'ai bouffé le nom. C'est pas grave. Voilà. Et je voulais vous présenter un peu le travail que j'ai effectué aujourd'hui sur l'azalée. Donc, je l'ai rempoté. Je lui ai trouvé un pot. Alors, c'est un pot de culture. Hein. Et je l'ai entièrement ligaturé. Et je l'ai transformé en battu par les vents. Voilà. Salut Gwenaël. Salut Thibault. Salut Olivier. Salut Pierre. Est-ce que le son est bien aujourd'hui? Est-ce que il est dans vos deux oreilles pour ceux qui ont un casque? Voilà, je voudrais savoir parce que je pense que normalement j'ai résolu le problème. Oui, Coco Jomé. Coco Jomé. On va lui faire la fête un petit peu, quoi. On va le rendre joli. Déjà, il est très joli, hein, mais voilà, il a une belle ligne de tronc, on le verra tout à l'heure. Ok, le son est parfait, ok, donc son ok. Eh bien, c'est super, magnifique. Voilà, bon, petit à petit, on va y arriver. Hein. Voilà, oui, donc je voulais vous présenter aussi le travail que j'ai fait un peu aujourd'hui. Je me suis un petit peu amusé. Hier soir, en fin de compte, j'ai terminé, je l'ai rempoté. En fin de compte, dans le gros pot où elle était dans une grande partie de d'Akanuma. Donc, j'ai retamisé l'Akanuma et j'ai apporté la pumice en plus et un petit peu de plomb. Voilà. Donc, merci. Merci Thibaut. Donc, voilà, j'ai fait un battu par les vents. Alors, la face, elle est quand même là. Hein. Elle est bien là. On a la tête qui vient bien de ce côté. Hein. Voilà, ça en va. Je suis pas mécontent en fin de compte, c'est pas mal. Hein. Voilà, moi, pour une azalée que je voulais pas transformer en rosaille, c'est raté. Hein. Bon. Donc, je vais la poser. Donc, il y a encore des petites ligatures à poser, mais bon, elle est pratiquement terminée. Je vais la poser. Ah, la mettre derrière. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire deux travaux aujourd'hui parce que ça va être vite fait. Voilà, ça va être juste un contrôle. Je voulais absolument le contrôler. Je voulais vous montrer. Et en même temps, ça me permettait de vous montrer un peu comment j'allais procéder. Surtout pour arriver à faire partir les racines correctement bien à plat sur une base qui n'est pas vraiment ronde. Hein, vous allez le voir dans un instant. Donc, on va aller. Vous voyez, j'ai mis carrément de la mousse moi autour. Hein. Donc, on va contrôler tout ça. Alors, il faut que je récupère un bac. Par contre, je n'ai pas prévu. J'ai pas prévu. Il faut que j'attrape une gâche pour mettre le substrat dedans. Hop là, on va prendre un saut. Il y aura très bien ça. Voilà, alors ça c'est un marcottage parce que cette orme là, vous voyez, je l'ai laissé bien démarrer pour que justement il racine bien. Cette orme là, il avait vraiment une base pourrie, quoi. Elle était vraiment pas belle. C'est un arbre qui poussait sur un tube de racine. Donc on avait un tube de chaque côté et ça faisait de. Vous allez voir, hein, c'est vraiment pas beau. Donc du coup, j'ai fait un marcottage. J'avais carrément glissé, vous voyez, la rondelle d'un pot sur le haut. Donc je vais le soulever et moi je vais vérifier mon enracinement. Donc apparemment, c'est pas mal du tout parce que ce que je vois apparaître là, c'est pas mal. Donc c'était de la kadama et de la pumice. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment l'étaler, le vérifier, contrôler.
voir si les racines ne sont pas du bas, ne sont pas remontées en haut, et que les racines du haut ne soient pas descendues en bas. On ne va pas le sevrer, on va juste le contrôler. Et comme ça, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Donc, vous voyez, j'ai mis des ardoises, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué. Ben, il a bien raciné. Je pense que là, je vais le couper pour le fixer, je ferai une couture. C'est très délicat quand on fait ça. Hein. Les racines sont toutes jeunes, toutes blanches. Vous voyez, on en voit même qui démarre sur le tronc là. Bon, je ne vais pas la laisser, celle-là certainement. Je vais vous rapprocher un peu la caméra, vous verrez mieux ce qu'il y a à la bague. Voilà. Et Roberto, l'albar, quand je l'ai fait ce printemps, là, je l'ai fait quand. Oh, j'ai dû la faire au mois d'avril, je crois, il me semble. Enfin, je vérifiais. Je dois avoir fait une vidéo, je regarde, j'ai fait des photos, il me semble. Donc, je regarde dans mon dossier à quelle date je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai pas vérifié avant pour vous dire à quelle date je l'ai fait. Cette année, dans le tour du mois d'avril. Alors, elle est pas mal partie, hein. Elle est pas mal du tout. On a l'air d'être bien. Ah ouais. Ouais, bien, hein. Bravo. Bon, ben, on a une belle galette de racines, hein. C'est pas mal. Je vais épointer tout le tour pour que ça ramifie bien les racines. L'avantage de vérifier comme ça, c'est que ça permet de bien étaler les racines. Alors, vous voyez, le système, en fin de compte, je vais vous montrer. J'ai pris deux ardoises, j'ai pris une ardoise que j'ai coupée en deux. Et j'ai découpé la forme, en fin de compte, de la base. Je l'ai découpé sur l'ardoise et je l'ai glissé. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est la forme de la base de l'arbre. Oh là là, la collection de limaces là-dessous. Ah, ah.
Ah, la collection de limaces. C'est dégoûtant. Ah. Bon, ça a l'air d'être assez régulier. J'ai des bons départs tout autour. Elle est bien, elle est bien. Bon, ben, je vais pouvoir la recouvrir. Je pensais pas la trouver aussi belle. Franchement, là, vraiment, il y a vraiment un bon départ raciné, vraiment tout autour. C'est superbe. Il en manque un petit peu ici, mais bon, tout ce qu'il y a autour, partout. Donc, au sevrage, ça devrait faire. Donc, on va remettre tout ça. Donc, là, je vais faire un petit. Ah, les limaces, il y en a partout. C'est dégueulasse. Vais faire un massacre, je crois. J'aime bien la nature, mais là, les limaces, elles m'ont bouffé un filet, un rond entièrement. En une nuit. Voilà, donc on va remettre ça. Et on va faire une petite couture. Mon ciseau est tombé. Alors. Ben oui, j'espère bien, oui, que ça va s'améliorer chaque jour. Au bout d'un moment, obligé, hein. On va être nul sinon. À force de commettre toutes les erreurs, je finirai par plus en commettre. Voilà, petite couture. Voilà, et après ça, on passe au sérieux, transformation du coco noé. Alors, Jérôme, en plus, j'en ai des cerisiers coco noé, ok, mais j'ai un souci avec les feuilles qui deviennent jaune pâle. Et le bout noir, 100% pumice, car elle était dans 100% kadama. Ok, peut-être que tu as fait une transition un peu rapide. Ouais, tu as peut-être fait une transition un peu rapide. Moi, elle poussait beaucoup à l'ombre hein, ces derniers temps. Hein. On va en parler. Alors moi, la coco noé, c'est nouveau pour moi. Hein. Ça va être une nouvelle essence que je vais travailler. Bon, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça n'a pas l'air trop compliqué. Et on va remettre notre substrat là-dedans. Je récupère ma tourbe. Et voilà, est-ce que c'est pas préparer son live? On va prendre un petit pot.
Oh, c'est pas la main. Si la marcotte n'avait pas pris, j'aurais fait quoi? Ben, j'aurais regardé pourquoi elle n'aurait pas pris. C'est-à-dire que peut-être ça aurait pu être dû à l'incision mal faite ou voilà, mal creusée, une ressoudure. Bon, normalement j'étais confiant parce que j'ai fait à la fois un anneau et j'avais mis un fil d'aluminium dans la coupe. Donc voilà. J'étais confiant. En plus, c'est de l'orme, donc ça marche bien sur l'orme. Là, je suis vraiment assez content parce que je ne pensais pas voir un tel résultat quand même. Là, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, hein, la galette de racines qui s'est formée, elle est vraiment propre, quoi. Elle est bien faite, elle est bien étalée, elle est bien régulière tout autour. Donc, je suis assez content du résultat. Donc maintenant, je vais remettre ça, je vais lui redonner un petit coup d'eau vite fait pour pas que ça sèche. Je rajouterai un peu plus de sphaigne plus tard. Voilà, puis l'avantage, c'est que ça, vous voyez, ça m'a permis un petit peu de retailler un tout petit peu la pointe des racines. Voilà. Et ça, c'est pour garder au milieu de tout. Hein. Voilà. Bon, bah, contrôle effectué. Vous voyez, ça aurait pu, si j'avais fait que ça ce soir, ça aurait été court le live. Hein. Oui, je pense que ouais, je l'aurais refait. Hein, si elle n'avait pas pris, je l'aurais refait. Ok. Bon. Voilà. Donc pour l'instant, on ne touche pas, vous voyez, le fait d'avoir laissé toutes ces branches, là, c'est ce qui a permis vraiment. Bon, il faudra revenir sur tout ça. Hein, parce que là, on a un joli petit balai. Hein, quoi, il est déjà bien formé, cet arbre-là. Seulement, ça fait des années que je l'ai. Et seulement, cette base a été vraiment très, très moche. Donc, ça me chagrinait un peu quand même de le laisser avec une base aussi moche. Et du coup, là, j'aurai un bonnet baril dessus. Donc, je pense que je vais le sevrer au mois d'octobre. Voilà, je vais le sevrer au mois d'octobre. Je suis confiant. Hop! Et voilà, c'est mouillé. Une option, la vérification. Si tu l'as fait en mars, normalement, elle a dû commencer, si c'est un érable type, hein, elle a dû commencer à raciner. Et je vais remettre la caméra comme il faut. Voilà. Donc j'avais trouvé ce coconoé en jardinerie il y a deux mois de ça, et puis je voulais le travailler plus tôt que ça, et j'ai pas eu le temps. Donc j'ai dit, ben voilà, on va le faire, parce qu'après ça sera trop tard. Et comme la semaine prochaine, je m'en vais en Auvergne, j'aurai pas le temps de le faire, donc j'ai décidé de le faire cette semaine. Je pourrais attendre l'année prochaine, éventuellement, hein, pourquoi pas. Hein.
Mais bon, maintenant que je l'ai, hein, je vais le faire. Triple 30, t'as fait. C'est une option hein, de vérifier. Hein. Une option. Hein. Moi, là, je voulais vérifier parce que justement, j'avais mis mes. J'avais mis les. Ce que je voulais vérifier, c'est que les racines du dessous ne sont pas remontées sur le dessus. Voilà. Pour ça, c'était apparemment ça a bien fonctionné le système de mon ardoise là, parce que j'ai dû réfléchir un moment à savoir comment j'allais pouvoir faire en sorte que les racines se développent sur le dessus sans qu'elles aillent dans le pot quoi. Ça c'était, je pouvais pas faire un rond pile tout droit parce que comme ça c'est la base, vous voyez au sevrage, comme si vous êtes encore là, la base elle est au plus qu'ovale quoi. Donc du coup, arriver à faire, il fallait que je trouve un système pour que ça épouse bien toute la forme du tronc. Et je trouvais que l'ardoise, ça allait bien parce que ça se casse bien. Et donc on peut vraiment la tailler en fonction de la forme du tronc. C'est ce que je trouvais intéressant. Parallèlement pour érable, Auchider, je ne le connais pas. Même date, ok. Si j'avais pu sevrer là, non, 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 il est trop tôt pour sevrer. Il y a trop de feuillage, il n'y a pas assez de racines. Ça pourrait marcher, mais non, non, on va dans l'été qui arrive derrière. Non, non, on ne prend pas ce genre de risque maintenant. Ça ne me met pas à sevrer au mois de juin. Bon, là, tu l'as donc, moi, depuis, j'ai fait un transpotage. Juste un transpotage. J'ai gratté un peu pour voir où se trouvait le nébari. Donc là, j'y suis. Il est là. Il n'est pas super, super, mais il a une petite base étoilée, apparemment. Il a l'air d'être un peu intéressant. On travaillera le nébari plus tard. Voilà. Je vais transporter dans un pot légèrement plus grand, avec un mélange de pumice, pour l'aider un petit peu au travail que je vais faire. Voilà. J'ai pas trop, en fait, j'ai quasiment pas touché les racines parce que justement, j'ai envie qu'ils répondent bien à ce que je vais les faire aujourd'hui. Donc, on va essayer d'étudier. Je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore pris le temps. Alors, il y a des choses dont je suis sûr que je ne vais pas regarder comme ça, par exemple. Hop, voilà, ça je vais être plus clair. Et donc, là, voilà, j'ai une ligne de tronc assez. Vous voyez, il y a un joli mouvement. Hein, elle a vraiment du mouvement. Ce tronc, il a vraiment du mouvement avec un autre petit tronc ici. Donc, ça va. Je vais certainement faire deux petits arbres, un petit double tronc, probablement. Maintenant, il faut que je réfléchisse, il faut que je détermine ma ligne de tronc pour savoir de quel côté où je pars. Alors, je pourrais éventuellement regarder et partir ici, mais ici, je trouve que c'est trop raide. Donc, je peux continuer plus haut. Et faut bien réfléchir. Je ne sais pas, en fait, continuer plus haut. Oh, non, c'est pas trop raide. Hein. On est peut-être bien là. On est peut-être bien sur celle-là. Parce qu'après, pas super. Ou alors je fais un arc plus élancé. C'est à voir. On va le démêler un petit peu parce que toutes les branches sont mêlées. Il y a eu un petit coup de swap ces jours-ci. Alors, petite question. Sur le cerisier, j'ai un cerisier japonais en pot. Il m'a fait plein de fleurs au printemps, j'ai enlevé les fleurs comme une azalée, mais maintenant il n'est plus très en forme. Ok. C'est quoi comme cerisier, comme variété? Alors, quand je fais des marcottes, j'ai souvent un manque de racines sur un côté. Il faut le tourner. Si tu as un manque de racines sur un côté, c'est parce que tu tournes pas. Il faut tourner ta marcotte comme ça régulièrement pour que le soleil tape de tous les côtés. La lumière vienne bien de tous les côtés. C'est ce qui est le préconisé en général. Ça peut être dû à ça. Hein. Voilà. Bon, alors, faisons pas de conneries. Hein. Je vais commencer déjà par trouver un arbre sur le haut. Si ça ne me va pas sur le haut, je descendrai plus bas.
Donc déjà, de toute façon, toutes les branches du bas, je peux les raccourcir, puisque de toute façon, elles vont être raccourcies. Pour ça, je verrai plus clair. Je vais essayer de garder quand même un maximum, connaissant pas trop la variété et la réaction qu'elle peut avoir. Systématiquement, quand je vais couper une branche, je vais garder un petit bouquet de feuilles. Voilà. Je vais éviter de faire de la taille à blanc. Je ne connais pas sa réaction, je ne sais pas comment il réagit. Et quand on est comme ça dans un sur une nouvelle essence, sur une nouvelle variété qu'on ne connaît pas, bon, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est que justement, ben, vous prenez ce genre de. Vous évitez de prendre trop de risques avec. Et quand vous ne savez pas, alors s'il y en a qui ont déjà travaillé le Coconoé et qui me disent ouais, il n'y a pas de problème, tu tailles à blanc, ça va redémarrer, moi je veux bien. Voilà, si on me dit, il n'y a pas de souci. Non, j'ai déjà fait une azalée battue par les vents, je ne vais pas faire une cerisier battue par les vents. Il ne s'y prête pas, là, vraiment, hein, en plus. Hein. On va pas faire les battues par les vents pour tous les jours, quand même, attends. Oh. Alors. Je vais déjà travailler sur le petit, sur le côté ici. Là, au moins, il va être vite calculé. Alors, est-ce que ça se bouture, ça? Tiens, j'essaierai. J'ai essayé quelques boutures. Voilà. On mettra quelques fils et on formera tout ça. Voilà. Alors maintenant, le principal. Bon, celui-là, c'est sûr. Il disparaît. Ma face est bien de ce côté. Ma face est bien de côté. J'ai une belle ligne de tronc. J'ai un nez barré qui est pas mal de ce côté. Le nez barré est un peu évasé de ce côté, il est pas mal. Battu par une femme. Non, non, là, il n'y a pas de femme pour le battre. Le pot. Ouais. J'essaie petit à petit, j'essaie de voir si je peux éventuellement faire quelque chose avec les parties qui sont là. Bon, bah, je crois que je vais garder cette. Je vais faire mon tronc à partir de cette ligne-là. Là. C'est là que c'est le mieux. Et en fin de compte, on va redescendre ici. Ou alors. Pas si simple. Ça va vite, hein? Ça va vite. Alors, qu'est-ce que je vais garder?
je vais faire des têtes multiples. Je vais faire des têtes multiples sur celui-là. Et je vais quand même garder celui-là. Donc j'enlève celui-là. Quand j'ai acheté le mien, il mesurait 1 mètre et je l'ai rabattu à 30 cm. Et il a rebourgé en arrière, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les feuilles deviennent jaunes pâles. Mmh. Burton, j'en refais quelques-uns. J'ai commencé, hein, les cosmiques, mais avec des ormes. Mais bon, c'est juste question d'en avoir sur mes étagères. Puis, pour moi, déjà, il faut que ce soit beau au niveau esthétique, hein, faut que ce soit bien réussi. Mais après, voilà, je sais pas, je vais pas me lancer à fond là-dedans. Ça m'intéresse pas. Voilà. Je préfère vraiment le bonsaï traditionnel. Je suis vraiment fan du bonsaï traditionnel, ça. Et arriver à développer des arbres assez jolis avec déjà des arbres qu'on a. Ah, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais rester là. Je vais poser quelques fils. Ça, tout ça, je vais garder. Je vais faire un peu de bouture. Je vais les tester. Qui a déjà testé la bouture sur le coconoé? Alors, je vais transporter dans 100% pumice. Et on verra bien placer à l'ombre. Écoute, moi, il est encore dans son terreau, là. Donc, voilà. Comme il est poussé bien, je l'ai laissé dedans. J'ai mis de la pumice autour. Et mélanger avec un petit peu de tourbe blonde. Alors, on va faire quelques petits placements de branches. Écoute, ça aurait été rapide. Hein. Ça aurait été rapide. Salut Virginie. Ou David. Oui, non, c'est Virginie, je pense. Ouais, bah, t'as pas vu. Du coup, t'as pas vu le battu par les vents. Il faut revenir en arrière. J'ai travaillé la zallée. Bon, on va poser quelques petits fils pour positionner un peu les branches quand même proprement. Alors, j'ai regardé tous tes lives. Je m'aperçois que tes arbres sont toujours de gros conteneurs. Oui, dans les arbres d'élevage, je les élève dans des gros conteneurs pour que ça pousse. Après, je les passe en pot à bonsaï après. Après, le travail, je commence déjà par travailler l'arbre, je travaille une ébarrée. Ça dépend des arbres. Ça dépend comment est l'arbre. Sur mes érables, c'est du gros conteneur parce que de toute façon, je travaille le nez-barré en même temps sur les ardoises. Et là, c'est parce que j'ai acheté l'arbre dans un conteneur. Et comme je ne voulais pas toucher au système racinaire, je l'ai repassé dans un conteneur légèrement au-dessus. Mais ils ne sont pas tous. Ouais, les 3N aussi sont dans les gros conteneurs. Bon, il faut dire aussi que j'avais une grosse réserve de conteneurs de mon activité à l'époque. Hein. J'étais paysagiste. Donc du coup, j'avais du rab de conteneurs. Donc du coup, ben, autant les utiliser. Et je trouve que ça pousse bien dedans quand même. Après, quand on taille les racines, quand ça pousse en conteneur, comme ça, alors ce qu'il faut faire attention, c'est au fur et à mesure, moi je les travaille les racines hein, au fur et à mesure quand je les rempotais dans les conteneurs. Hein. Donc là, les 3N cette année ont été sérieusement travaillés au niveau racinaire. Hein. Donc voilà. Je sais ce que je fais, quoi. On évite. Parce que le chignon qui va se former en bas, de toute façon, on s'en fout, il va être viré. Les paniers de bassin, ouais, c'est pas mal les paniers de bassin. L'avantage, c'est que. Ça évite d'avoir un chignon, voilà, ça évite d'avoir le chignonnage, parce que les racines sèchent au fur et à mesure qu'elles arrivent au bout, exactement comme les harpots. Hein. Voilà, je vais lui donner, vous voyez, j'ai envie de lui donner vraiment une forme de cerisier, quoi. Voilà, j'ai vraiment envie de lui donner, vous voyez, avec des têtes, des branches qui partent comme ça, multiples,
multi-troncs comme ça, je trouve que c'est sympa, que de faire une seule ligne de tronc, voilà, comme on voit souvent. J'ai vraiment envie vraiment de lui donner cette forme voilà, naturelle de cerisier. Donc là, je pense qu'on est pas mal quand même, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dites-moi. Moi, je le trouve sympa, là, comme il est. Je vais lui donner un tout petit peu de mouvement sur les branches. Ah, c'est 400, hein. C'est très 400. Attention. Kojo nommé. Comme tu l'as écrit, Gwenaël, le deuxième. Kojo nommé. J'ai l'étiquette quelque part, je ne sais pas où je l'ai foutu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et tout le monde, t'aurais bien aimé avoir une vidéo sur l'emplacement des bonsaïs. Ouais, ben écoute, on pourra voir ça pendant l'été. Là, de toute façon, moi, cette semaine, je finis, on va finir la semaine, donc en 2 jours, là. Donc, demain, pas de live. Ouais, demain, pas de live. Demain, c'est même jour poterie. Donc, je risque de rentrer tard, donc j'aurai pas le temps de préparer un live. On va faire une cuisson demain, donc voilà. Et vendredi, donc, dernier live de la semaine. Et après, je m'en vais en Auvergne. Donc, voilà, je n'aurai pas de live pendant une dizaine de jours. Désolé. À mon retour, eh bien, on pourra revoir pas mal de choses. Il va y avoir certainement beaucoup de choses qui auront évolué d'ici là. C'est-à-dire tous les travaux que j'ai fait dernièrement là, sur mes arbres, eh bien, ils auront certainement énormément évolué. Donc, on fera certainement le point sur plusieurs arbres. Et puis, justement, ben, il y a l'exposition pendant l'été, pourquoi pas. Voir comment exposer ces arbres, surtout pendant les grosses chaleurs de l'été. Voilà. Donc, il est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà, je vais le remonter, tiens, dans le pot. Je vais y rajouter du substrat au fond, tout autour. Je l'ai fait le transportage il y a quelques jours seulement. Voilà. Donc voilà le futur petit coco que je nommais. Donc voilà, rempotage au printemps prochain. Je sais déjà dans quel pot je vais le mettre. J'ai un très très joli pot pour lui. Donc voilà, j'ai déjà son idée de pot. C'est un très très beau pot avec beaucoup de motifs dessus. Il va être vraiment très sympa. Actuellement, il y a un figuier dedans, mais qui est très moche. Donc voilà, je vais enlever le figuier et je mettrai le coco que je nommais. Ok, bon, on fera ça. Alors, on regardera ce projet de structure. Moi, de toute façon, le jour où je serai installé là où je vais aller, alors, il y a beaucoup d'arbres, je pourrais jouer sûrement avec les ombres. Je vais certainement installer des poteaux pour poser mes arbres avec des petites tablettes. Je vais certainement faire un bel agencement. J'espère bien que je pourrai faire ça dès l'an prochain. Et probablement que je mettrai des voiles d'ombrage pour certains arbres. Voilà, mais pas tous, pas tous. Il y a la plupart, j'ai jamais trop fonctionné avec les voiles d'ombrage. En plus, dans un jardin, je ne trouve pas ça très joli. Donc, voilà.
j'ai jamais trop travaillé avec, donc je préfère jouer avec l'ombre des arbres, comme il y a beaucoup d'arbres là où je vais m'installer. Je vous apprendrai justement, ben, si vous avez un jardin avec des arbres, à jouer avec les arbres justement et avec leur ombre. Les ombres portées des arbres sont super intéressantes. Et il faut juste trouver les bons emplacements par rapport aux arbres, par rapport à leur distance. Que ce ne soit jamais sous les arbres non plus. Voilà. Comment tu l'as nommé? L'arbre, celui-là, là, que je nommais. Alors, y a-t-il un gros investissement à faire pour la poterie tour-four? Ouais, bien sûr. Nous, on a fait tout d'occasion. On a acheté un petit four gaz d'occasion. On a fait des bonnes affaires. On a trouvé un Anglais là, qui se débarrassait de tout son matériel. On a fait des bonnes affaires. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est un petit four à gaz. Hein. Je peux faire du pot de 38 maximum pour l'instant. Mais j'ai l'intention de construire un four à bois avec un système anglais où la chaleur va tourner. Je pense pourquoi pas. Je vous montrerai un jour comment je travaille les pots. Ça peut être sympa. Ouais, ok. Bien, la vidéo sur l'agencement, ça sera. On en parlera un petit peu ici si vous voulez. Mais ici, j'ai rien agencé vraiment bien, quoi. Ici, c'est posé comme j'ai pu, comme je pouvais. Mais j'ai profité des emplacements avec la lisière des arbres que j'ai derrière. Mais l'an prochain, dès que je m'installe, je pense que ça pourrait être intéressant justement qu'on fasse des où je ferai vraiment de l'agencement de mes arbres. Bien, on pourra à ce moment-là faire des trucs intéressants. Ça pourrait, je pense, intéresser pas mal de monde. Je comprends pas pourquoi on utilise tellement d'essences exotiques alors qu'en France, eh bien, c'est parce que c'est ce qui se voit actuellement dans le commerce, c'est tout. Après, ça permet aux gens de découvrir le bonsaï. Hein. Moi, bon, c'est vrai que je suis un peu à part. J'ai pas découvert le bonsaï en achetant des arbres. J'ai produit mes arbres moi-même dès le début. Hein, voilà. Mon premier bonsaï, c'est un orme. Hein, il est derrière moi. Hein, ben non, vous ne voyez pas. C'est vrai que moi, dès le début, j'ai voulu bricoler les arbres moi-même avec des essences locales. Ça a été compliqué, puisque c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, trouver des documents techniques sur le bonsaï, c'était assez compliqué, à part les bouquins de Rémi Sanson. On ne trouve pas. Rémi Sanson, bon, c'était des bouquins un peu publicitaires, plus publicitaires que techniques, avec beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas réutiliser. Et puis, au fur et à mesure, après, il y a eu les premières revues, les bonsaïs créations et les bouquins de Peter Chan, je ne sais pas si vous connaissez. Peter Chan, le bouquin, c'était son nom, c'est le premier bouquin qui m'a ouvert la voie. Comment il s'appelait son bouquin? La passion de bonsaï, je crois, non, c'est pas ça. Merci Virginie. Ouais, ben c'est du premier travail, hein, donc voilà, j'espère bien m'améliorer au fur et à mesure. J'ai suivi énormément de tutos, j'ai bouffé du tuto, mais alors des heures et des heures et des heures durant, pour voir un peu les différentes techniques qui existent et tout. Et après, les gros problèmes, c'est la cuisson, c'est les paliers, c'est respecter tous les paliers. Après, c'est les mailles, respecter aussi. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à savoir en poterie. Donc, vaut mieux bien se préparer quand on attaque la poterie, vaut mieux bien se préparer. On peut faire des stages, hein, mais bon, voilà, j'ai voulu, moi, bricoler les trucs moi-même. J'aime bien faire les choses moi-même, par moi-même. Voilà, puis découvrir et puis faire mes propres erreurs. Je trouve que par les erreurs, on apprend, les échecs nous apprennent beaucoup. Ouais, ben, écoute, on verra ça, ouais. On fera ça un jour, pourquoi pas. Voilà, donc, bon, ben mon coco noué, il est terminé. Il est quelle heure? On va peut-être faire autre chose. J'ai vérifié ma marcoche, j'ai fait mon coco. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Voilà. J'ai toujours des tas de choses à faire. J'ai même pas fini mes azalées d'hier. J'en ai fait quelques-unes, mais je ne les ai pas finies. J'en ai encore beaucoup à tailler. Ouais, ben, y a de la chimie. Après, pour l'instant, je me contente déjà d'utiliser les émaux tout prêts, prêts à l'emploi, mais que je mélange des fois. Voilà, j'aime bien, je mélange les différentes couleurs ensemble. Mais j'utilise les trucs prêts à l'emploi parce que faire les mélanges, déjà, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué. Les recettes, c'est au gramme près. Voilà, on commence déjà avec du tout prêt et on verra plus tard le jour,
Voilà, bien, il y a la sigillée aussi qui m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup essayer de faire de la sigillée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'engobe, quoi. Avec des terres, récolter les terres autour ici et puis préparer des sigillées. C'est vachement, ça peut être vachement sympa. On a vraiment des choses qui ressortent assez sympathiques. Voilà, je sais pas si vous connaissez un petit peu en poterie, mais ouais, c'est la poterie, c'est vaste, c'est hyper vaste, c'est très complet, c'est très vaste. On peut s'exprimer de façon illimitée. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter éventuellement? Je réfléchis, là, je regarde ce que j'ai pas loin. Je ne vais pas aller chercher trop loin. On va remettre la caméra comme il faut. Ben alors, voilà. Connaissez-vous Leodimus alatus? Celui-là, je l'ai dénigaturé hier. L'alatus, je vous conseille d'en faire. Ça, c'est une bouture hein, que j'avais fait moi. Une bouture, j'ai tiré sur un bonsaï. La cuisson bois, ouais, ça va être top. On va essayer. On va essayer. Il faut que ça brûle le four déjà. Il faut que je construise le four. Je ne vais pas faire un four à nagama, ça consomme trop de bois. Trop long en cuisson et trop bois. Trop de bois. Non, non, je vais faire un four, un système anglais avec une chaleur qui tourne, qui part derrière, qui revient devant. Ça consomme deux fois, trois fois moins de bois qu'un nagama. Et ça monte à 1300 sans problème. Voilà, le fusain, il est tout à fait. Voilà. Une des variétés que je trouve parmi les plus intéressantes à faire en bonsaï, par sa couleur automnale. Il est presque plus flamboyant que l'érable. Il est extraordinaire au niveau de la couleur. Et puis ce qui le rend intéressant aussi, c'est justement, c'est ces petits fruits. Vous voyez, ça fait des petits fruits ailés là, qui quand ils s'ouvrent à l'automne, sont rouges avec une petite graine orange vif à l'intérieur. Et c'est superbe. C'est adorable comme essence. Et ça se travaille vraiment très très bien. Alors vous voyez, il fait des... On l'appelle ailé parce que sur les branches... Justement, vous voyez, il fait des espèces de d'écorces avec des ailées comme ça, un peu comme font certaines ormes aussi. Ouais, c'est vraiment très très beau à l'automne. Donc, si vous voulez vraiment faire des jolies choses et si vous voulez voir des arbres qui sont vraiment sympas, ça c'est une bouture que j'avais fait, que j'avais formée en double tronc. Alors, la bouture, elle a quelques années déjà, hein. Je l'ai laissé pousser tranquille, en fin de compte, j'avais. Elle a eu déjà un ligaturage sur le tronc. On voit encore un peu les marques là. Elles sont légères. Elles ont bien disparu. Il y a eu une mise en forme il y a quelques années du tronc. Et après, je l'avais laissé tranquille, oublié dans un coin. Hein, c'est ce que. On va qu'on en parle. Je vous ferai un live sur la technique de l'oubli. Non, je pense que je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas. En fin de compte, la technique de l'oubli, c'est simple. Hein, quand on a un arbre. On met l'arbre dans un coin et on essaye de ne pas le toucher pendant plusieurs années. C'est souvent la meilleure des choses à faire pour un jour le ressortir et arriver à sortir quelque chose avec. Là, je l'ai mis en forme l'année dernière, au printemps. Là, je l'ai mis en forme au printemps, rempotage au printemps. J'ai tout fait en même temps. Et je trouve que le résultat est pas mal. La face est là. Voilà. La face est là. J'ai encore un auban là pour faire la tête. J'ai encore la tête à construire. Et voilà, déjà le résultat est pas si mal que ça. Le tien est mort en potage. Alors, tu as vu des... Non, non, c'est le champêtre le fait aussi. Hein, les branches ailées comme ça. C'est normal. Ouais, non, non. Des fois, même sur le champêtre... Des fois, sur le champêtre, il y a des parasites qui s'installent à l'intérieur dans le bois et qui font que les branches elles poussent plat. C'est des. Je ne sais plus ce que c'est, en fait, c'est une sorte de variété de tocini, je crois.
Mais sinon, quand les branches sont scellées, alors le lorme, il le fait beaucoup, hein, les branches scellées comme ça. Mais ça arrive sur certains érables. Et puis, voilà, j'ai. Hop. Et j'ai fait un petit effeuillage sur mon petit érable, là. Voilà, parce qu'il avait énormément redémarré, il était tellement compact que j'ai refait un effeuillage en faisant une feuille sur deux, la technique de la vidéo ou la dernière vidéo que j'ai fait sur l'érable, là, le michicomi de l'érable. En fin de compte, j'ai refait un michicomi sur celui-ci. Mon tire-sève grossit. Je n'ai pas vérifié comment ça a évolué au niveau de mon. Je vais le faire justement. Tiens, on va le faire ensemble. Comme ça, je le remplacerai. Ça avance très lentement. Hein. Ça avance doucement, mais ça avance, ça avance. Ça avance. C'est pas super, super. Mais bon, ça le fera. Pour l'instant, de toute façon, je vais encore le laisser un peu. Et puis, voilà, je vais le laisser encore une année. Et on verra l'an prochain si je l'enlève ou pas, cette antenne. Alors, ça ne risque pas de tiger si on laisse trop longtemps, on l'oublie. Ah ben, on ne laisse pas trop longtemps non plus. Ça dépend des variétés. Ça, c'est des arbustes en plus. Donc, ça ne se développe pas de façon excessive. Il y a des trucs que j'ai souvent laissé comme ça oublier. Par exemple, le petit ligustrum, il est là-bas. Le petit ligustrum, en fin de compte, que j'ai là, c'était un tronc. Il était très, très, très moche hein, au départ. Hein. Voilà, je propose de faire cette technique, en fin de compte, souvent avec des arbres avec lesquels on ne sait pas quoi faire. Voilà, on est un peu bloqué devant un arbre. On a un truc qui est moche, qui n'est pas terrible. Donc, du coup, on le plante dans un gros pot, puis on le met dans un coin. Et puis on le laisse quelques années, et souvent quand on le ressort, on est assez surpris de ce qu'on y retrouve. On a quelque chose qui a complètement évolué différemment, et c'est là qu'on arrive à revoir l'arbre qu'on ne voyait pas en fin de compte à l'origine. Et ça a été le cas pour ce petit troène que j'ai qui est là-bas. Je vais vous chercher vite fait. Ça n'a pas été le seul hein, avec lequel j'ai ça m'est arrivé hein, ce genre de choses. Voilà. Ce troène à l'origine, hein, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, ou ceux qui n'étaient pas là, ils vont l'apprendre. C'était une souche. En fin de compte, c'était une souche, c'était un bout de bois hein, rond comme ça, avec plein. Et tout ça, c'était plein là, à l'intérieur. Hein, c'était que du bois, c'est du bois mort qui s'est effondré à l'intérieur. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas bien. On va descendre un peu la caméra. Et on va avancer un petit peu. Faudrait que je trouve un moyen de zoomer sans me déplacer. Ce serait cool. Donc, voilà, c'était en fin de compte une souche ronde comme ça, entière, et il y avait rien. C'était vraiment coupé à plat. Donc, le genre de truc, on se dit, ouais, de toute façon. Tu le mets dans un coin et puis tu fais rien avec. Et puis le jour où je l'ai ressorti, en fait, quand tout s'était effondré ici, et puis il y avait des trucs qui s'étaient développés. Alors tiens, je vais vous montrer comment il était à l'origine. C'est ça qui est sympa avec ce logiciel. Je vais essayer. Est-ce que j'ai le disque? Est-ce que j'ai amené le disque? Oui. J'ai amené le disque. Non, j'ai pas le disque là. Non. Bon, tant pis. On verra une prochaine fois. Il faudra que je prévoie ça. J'aurais pu vous montrer en photo comment il était. Il était très moche. Il était très très moche. Noyé en bonsaï? Non, non, non. Pas abandonne. Abandonne. Le noyer, déjà, il va pas supporter la taille racinaire. Déjà, tu vois, quand on les voit au bord des champs à moitié crevés, c'est parce que déjà, ils ne supportent pas les coups de charrue qu'ils prennent dans les racines. Donc non, le noyer, non, non, c'est même pas la peine, ne rêve pas, tu pourras pas, t'en feras rien, tu les perdras.
Ils vont tomber malades, il ne va pas aimer, puis en plus les feuilles sont immenses. Tu ne pourras rien faire. Il y a des arbres sur lesquels il ne faut même pas chercher à se focaliser, hein. C'est pas la peine. Ouais, c'est ça, on laisse l'art s'exprimer, tout à fait. Donc après, ben voilà, le jour où je l'ai sorti, plusieurs années après, hein, il avait développé il avait déjà, un, tout s'était effondré ici. C'est-à-dire que c'est moi, en grattant, j'ai vu que tout était pourri, et ça s'effondrait, ça tombait tout. Alors avant, il n'y avait pas tous ces trous à l'intérieur, là, je passe mes doigts partout maintenant. Hein. Il n'y avait pas de trous comme ça avant, hein. Voilà. À l'origine, il n'y avait pas de trou. Mais voilà. Là, il s'est quand même. Alors, le pot, il est de Sabine Bénard. Voilà, on l'avait. C'était à une exposition à Nantes. Elle avait ce pot sous les tablettes. Et elle m'avait dit ouais, j'ai un. Si ça t'intéresse, j'ai un pot qui est raté. Pour moi, il est loin d'être raté parce que, avec ce Lugustrum, j'ai enlevé ça. Avec ce Lugustrum, j'ai loin d'être raté parce que ça fait vraiment la continuité du bois mort, vous voyez. Toutes ces coulures de céramique, en fin de compte, moi, me font rappeler le bois mort qui est au-dessus, quoi. Voilà. Alors, la lumière n'est pas terrible. On ne voit pas bien. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un truc sympa. Et j'en suis pas mécontent, ce petit Lugustrum. Hein. Vous voyez, le Troène en fait quand même des jolies choses. Hein. Alors, il n'y a jamais de fleurie, par contre. Hein. Tu aurais dû me le dire avant. Moi, j'ai essayé cette année, j'ai vu. Quoi, tu as vu, Yannick? Celui-là, il a... Ah, il a 25 ans. Il a 25 ans. Donc... voilà, bon, c'est vrai. Mais déjà, il y a une dizaine d'années, il commençait déjà à être sympa. Voilà. Là, c'est vrai que maintenant, il densifie, ça devient chaque année, c'est un peu plus joli. Mais vous voyez, il faut vraiment travailler compact, hein, sur un petit tronc, sur un gros tronc. C'est bien de travailler compact. Hein, c'est pas, cherchez pas à faire des grands trucs qui montent avec des grands troncs tout en longueur. C'est pas ce qui donne de bons résultats. Voilà, vous voyez, la longueur... elle est vraiment. J'aurais pu même encore plus faire plus court, quoi. Voilà. J'ai pas compris en fait, mon Yannick, ce que tu voulais dire. Patrick, pourquoi appelles-tu arbre des buissons? Ah, parce que c'est des buissons. Voilà, pour moi, il y a une différence entre un arbuste, le buisson, quoi, c'est un arbuste. Ça, c'est un arbuste. Le Troène, c'est un arbuste. Le Onimus alatus, c'est un arbuste. C'est pas vraiment un arbre. Il monte pas l'alatus, il va monter à quoi? À 3 mètres, grand maximum. Le Troène, il arrive à monter à 3-4 mètres. Voilà, c'est des arbustes pour moi. C'est pas vraiment des arbres. Donc, il y a une petite différence pour moi entre travailler un arbuste et un arbre en bonsaï. On n'obtient pas tout à fait les mêmes choses. Quoique la latus, on obtient bien quand même quelque chose d'assez joli et qui ressemble bien à un arbre. Voilà. Bon. Yannick, pour les noyers. Ah, pour les noyers. D'accord, tu en as prélevé 3, dont il faisait 70 cm. Super. Sujet, pas tout aimé le rempotage. Pourtant, j'ai mis dans un gros. Ouais, non, mais le noyer. Ouais, il n'a pas du tout aimé. Ouais, non, mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Tu vois, voilà. Le noyer, c'est pas la peine. D'abord, déjà, ils font des feuilles immenses. Très difficile à nanifier. On arrive à nanifier du marronnier, mais pas du noyer. Voilà, il y a du truc qu'on n'arrive pas. Et puis au niveau, je te dis, au niveau racinaire, ils ne supportent pas qu'on leur tripote les racines. C'est comme essayer de faire de l'acacia, hein. Cherchez pas à faire de l'acacia, hein. Vous n'y arriverez pas. Hein. L'acacia, il perd des branches. Voilà, l'acacia, naturellement, il fait du bois mort, naturellement. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, il ne faut pas essayer. Hein.
Voilà, bon, je pense qu'on a terminé pour ce soir. On a vu quand même pas mal de petites choses. On a fait un... J'ai travaillé un cogonomé. Je n'ai jamais à le dire. j'ai pu contrôler ma marcotte. Et puis voilà, on a fait le tour un petit peu de différents sujets. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, profitez-en, tant que je suis là, éventuellement. Voilà. Et je vais boire un petit coup. On se voit vendredi. Et vendredi, ben moi j'ai du marcotage à terminer. Hein. Alors, dites-moi si vous avez autre chose en vue. Mais bon, moi j'ai des marcotages. Je vais faire des marcotages sur des érables de burger. Mais des érables de burger qui font 2m50, 3m, 2m50 de haut, voire plus, sur lesquels je vais faire des gros troncs. Donc maintenant que j'ai formé mon tronc, je les passerai en pleine terre l'année prochaine pour faire vraiment du tronc du cône, vous savez, du burger en cône. Non, ils viennent jamais les oiseaux. Hein. Je les vois jamais dans mes arbres. Hein. Merci Jacques. Le lilas des Indes, quand le tailler? Eh ben, au printemps tôt. Le lilas des Indes. Là, maintenant, trop tard. Le lilas des Indes fleurit sur les branches de l'année. Donc, la branche pousse et la fleur est au bout. Donc le lilas des Indes, c'est le lilas gastromia. J'en ai un là. Je suis en train de le former. Je viens de le chercher, puisque tu m'en parles. Alors moi, il était dans un coin, je l'ai oublié un peu. Je ne l'ai pas taillé cette année. Je vais en profiter pour lui donner des petits coups de ciseaux, je vois. Parce qu'il y a des petits bois morts, des petits trucs morts là partout. Alors, est-ce qu'on le voit entier? Non, on ne le voit pas entier. On va abaisser ça. Voilà, alors ça c'est le lilas des Indes, donc le lagastromia. Et la fleur va apparaître sur le bout des branches. Ce qui est très joli sur le lilas des Indes, c'est l'écorce. Très lisse. Donc celui-là, je vais en faire moi un arbre assez grand. Pour l'instant, je le laisse pousser. Là, je vais transporter, il est dans un tout petit pot à l'étroit. Donc du coup, je vais transporter, j'aimerais bien qu'il pousse un peu mieux. Parce que c'est vrai que c'est un arbre que j'avais dans un coin et que je ne touchais pas trop, que je m'occupais pas trop. En plus, c'est un rouge vif, il est très beau. Alors, pas trop tard pour les marcottes. Non, il n'est pas trop tard pour les marcottes, surtout sur le burger. Le burger, il n'est vraiment pas trop tard. On peut encore faire de la marcotte sur le burger. Et ça marchera. Il y a des trucs sur lesquels c'est trop tard. Hein. Il y a des certaines variétés sur lesquelles c'est trop tard. Tu prends toutes les variétés un peu d'érable sophistiquées et tout ça, trop tard. Par contre, le burger, non, le burger, il va raciner très, très, très rapidement. Donc, c'est pas trop tard pour un burger. Moi, l'an dernier, j'ai fait des érables type début juillet. Hein. Les dernières marcottes que j'ai fait, c'était début juillet. Et elles ont parfaitement bien raciné. C'est vrai au printemps, par contre. Le chêne, écoute, moi le chêne, j'en ai pas. J'en ai eu fait à l'époque, mais moi, le problème, c'est que je prélevais des trop gros chênes avec des gros pivots énormes. Et j'avais des tailles au niveau des pivots qui étaient conséquentes. Et ils n'ont pas trop bien supporté ce genre de coupe importante sur les pivots. Ce qui fait que j'ai déperdu avec le temps. Rapidement, d'ailleurs, même au bout de 2-3 ans, des fois, j'avais mon chêne qui chopait un champignon dans le pivot et crevé. Donc du coup, j'en ai pas refait après, ça m'avait un peu dégoûté. Ça m'avait un peu, parce qu'ils étaient beaux, c'était magnifique. C'était des arbres magnifiques. Je l'ai prélevé dans les terrains argileux, il y avait des tubes de racines, il n'y avait pas de racines dessus, il n'y avait pas de radicelles. Si tu veux faire du prélèvement de chêne, il faut aller dans des terrains où
sablonneux, etc. Où tu as vraiment du chevelu et où tu n'as pas des gros pivots. Voilà. Sinon, je n'ai pas vraiment de conseils sur le chêne parce que ce n'est pas une essence que j'ai cultivée beaucoup. Quoi. Voilà. Donc, je préfère pas donner de conseils sur des arbres que je n'ai pas cultivés, que je n'ai cultivé trop peu. Mais j'aimerais bien en avoir des chênes, hein. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Hein. Donc, je n'espère pas de réessayer de nouveau, mais à partir d'arbres plus jeunes, je couperai peut-être pas des pivots aussi gros que ce que je faisais à l'époque où j'avais voulu en faire. Voilà, donc ça c'est un Lagerstromia que je vais transformer certainement dans pas longtemps. Je vais certainement lui faire une petite mise en forme. Je vais voir, ça va être un... Alors ça, il faut le faire assez grand. Hein. C'est pas un bonsaï qu'on fait de petite taille. Hein. Parce qu'ils font des grosses fleurs énormes, magnifiques. Et puis, surtout, ce qui est très beau, ce qui est vraiment intéressant sur ces arbres, c'est cette écorce. Quoi. Là, c'est superbe. Cette couleur d'écorce, ce côté très lisse comme ça, c'est ça qui est très, très beau. Quoi. Elle squame un peu. Voilà, donc celui-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore transformé, j'ai encore rien fait dessus. Ça va venir. Je ne vais pas tarder, je pense, parce que là, il commence à avoir un petit mouvement assez sympa. Je sais pas si je vais garder celle-là. Je pense que ce mouvement-là, là, tout ça, là, c'est sympa. Donc ça va être un arbre assez élancé, je pense, assez féminin, assez élancé, un peu dans un style un peu lettré, quoi. Voilà, pas aussi épuré qu'un lettré, certainement pas aussi épuré qu'un lettré. Mais voilà, je pense que de toute façon, ça, je pense que je vais peut-être même profiter de faire l'année prochaine, je ferai sûrement un marcotage là, pour ne pas perdre cette partie-là. J'en ai pas beaucoup de Lagerstromia, donc voilà. Voilà, donc. L'acacia, ça s'écrit pas vraiment comme ça, l'acacia, Yannick, attention, hein. L'acacia, pour faire des piquets devant le parc, oui, l'acacia s'écrit en un seul mot avec un C. Il y a un marcotage chêne vert, Patrick. Attends, je remonte un peu, je vois qu'il y a des... Voilà, ok. Alors, Lila, donc j'espère, Virginie, que j'ai répondu à ta question. Si tu as les tailler, trop tard. Hein. Parce que si tu les tailles maintenant, le problème, c'est que tu vas enlever la floraison. Voilà, tu vas perdre la floraison. Là, moi, à la fin de l'année, là, en mois de septembre, il va y avoir des fleurs qui vont apparaître sur le bout des branches. C'est ce qui est sympa, c'est la floraison. Donc, attention, donc on taille très court, très tôt, au mois de mars. Court, tôt, au mois de mars. Plus tu vas couper court, plus tu vas avoir des belles branches qui vont fleurir au bout. Voilà, bon. Je crois que j'ai répondu à tout le monde, toutes vos questions si vous en aviez. Je pense qu'on a un peu terminé pour ce soir. On a vu pas mal de choses. C'est sympa. Et puis voilà, ça m'a permis moi de regarder un peu comment il évolue. Lui, il pousse bien, il est bien vert. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je bois mon dernier petit coup pour la soirée. Le bonsaï que j'ai le plus vieux. Là. Le voilà. Mon bonsaï le plus vieux. C'est pas plus gros, hein. C'est plus vieux, mais c'est pas le plus gros. Voilà. Alors, attends. On va le voir pas bien. Hein. Voilà. Ça, c'est un énorme carpinifolia. Donc, ça, c'est mon plus vieux. Il a 40 ans. Voilà. Donc, c'est mon premier monde. C'est mon arbre fétiche. Je pense qu'il y en a, j'avais déjà dit. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Avec ses défauts de débutant. Toutes ses erreurs de débutant. Mais qui a pris la patine avec le temps. Qui est devenu vraiment magnifique. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée sur ce. Et voilà. Mon premier arbre, en fin de compte, qui ne vient pas du commerce, qui vient d'un talus au bord d'une route. Voilà.
Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bye bye. Ouais, j'ai des pommes. Ah, bah, ça y est. On commence à poser des questions au moment où je m'en vais. Alors, attends. Philippe. Allez. Ouais, j'ai des pommiers. J'ai un pommier. J'en ai qu'un pommier. J'en ai qu'un seul. Mais les chevreuils me l'avaient tout bouffé au printemps. Et donc là, il est bien reparti. Mais il avait été entièrement dévoré par les chevreuils. Il avait mangé toutes les fleurs. Il avait plus de fleurs. Ils adorent les chevreuils. Ils adorent les fleurs. Bon, allez. C'était une très, très bonne soirée à tous. Bye.